salut tout le monde, on est parti sur un Barric en ligue et on va jouer un Barric bricolage sur cette carte là je pense, parce qu'on va vouloir faire mal à leur frontline, essayer de les burst un petit peu. C'est un mal d'en bas qui est face à nous, on a une Ying, on a un Buck et un Drogoz, on va jouer le deck tourelle bien sûr. Et voilà, c'est parti. Cavalier pour aller vite sur le point. On va essayer de voir. Donc lui, c'est la bombe grognon qui explose deux fois plus vite. Donc faudra faire attention. Esprit soigneur vous soigne. Vous récupérez 250 points de vie quand il sprint. Chargez l'ennemi durant 1,5 secondes de plus. Vous infligez des dégâts. Et il n'y a pas de cavalier. Donc on va prendre cavalier pour arriver le premier sur le point. The battle has begun. Bon, il faut qu'on arrive à viser, ce que je n'arrive pas toujours à faire. Hop, ça explose deux fois plus vite. On a perdu. Oh là, c'est très cher. Ying, dis-moi. Ying a galéré. Oh, il est tellement low. Mais bon, on l'a eu. C'est normal. Voilà, avec Barric, on n'est pas comme avec Pacoa tout à l'heure. On peut difficilement aller chercher les kills faciles. Oh, j'ai une stick qui monte sur la gueule. J'ai pas de shield. Personne. Allez, on tient. Allez, faire mon dos. Ying, on prend en lourd. Tu peux faire ça. On a vraiment besoin de dégâts là. Bien, c'est bien ça. Je vais faire stun. J'ai mon barricade qui revient. Barricade. Le Rucus. Rucus est low. Rucus est très low. Il est mort. Okay, bien joué, c'est bien. Torvald, bien joué. Maintenant le man d'en bas. Le Victor. Ouais, il va se faire hit de toute façon. Attention. On met shield. On va stun comme ça. Attention des top buck. C'est bien ça. C'est dur, il s'est planqué le salaud. Une seconde avant ma barricade. Passe gaffe. Le Gidrogoose. Allez on push. On va chercher le Rucus. Et le Rucus. C'est un des persos qui fait le plus mal du jeu. Faut aller le chercher, faut pas le laisser jouer. Allez, ça dégage. Voilà, c'est parti. Attention, j'ai pas de shield. Ah, je suis pas pris quand même. Torval, si on peut le tuer, tant mieux. Attention, stun, c'est bon, ça passe. Ah, j'ai ce qui monte sur la tête, ça fait mal. Aïe. Oh là là, je suis pas content. Et même pour bien, c'est bien. Et on enferme la bombe grognon. On push. Bon, ça passe. Le recul, le recul, le recul, le recul, le recul, le recul, le recul. Boum. Allez, le Torval. On y va. Oh. Allez, en zone. Le Monkey. Peut-être le temps de le tuer. Non, on aura pas le temps. Boum. On va prendre cautérisé. Dégâts directs. Il n'y a que le Bomb King qui fait des dégâts de zone. Après, je suis censé en subir pas mal. Hein. Donc, il y a la résilience qui peut être pas mal. Il y a le fear de mal d'en bas. Je pense que je vais prendre ça. Bon, tout est statiquaire. On est sur du 13-0. Mais on a fait aucune exécution solo en même temps. On est un tank. Hein. C'est juste qu'on essaye d'avoir la. Juste qu'on essaye de focus la bonne cible en fait, celle qu'il faut tuer, pas taper parce que tu faut taper. C'est pour ça que cette spé là elle est intéressante, parce que les tourelles tu décides pas qu'est-ce qu'elle tape en fait, alors que l'arme, si t'arrives bien à viser, ça fait vraiment mal. On va péter, on va shield. Ah, j'arrive pas à le toucher là, c'est dommage. Dégager de là, oh, je me fais quand même stun malheureusement. Ah, j'arrive pas à viser là, c'est nul. Ah, c'est nul là ce qu'on a fait. Faut qu'on aide le Buck, sinon il va mourir. Il est mort. Merde, de fire. Vite, dégage.
La passe. Yes, pas mal. Faites mourir là. Non, ça va. J'arrive plus à viser. Aidez-moi à viser, s'il vous plaît, mon dieu. Voilà. Moi qui suis pas très croyant. Hop. Parti. C'est parti, c'est parti. La bombe grognon, ça dégage. Non, je prends un peu. Oh là là, c'est nul. Ah, c'est nul. Ah, c'est nul. J'arrive plus à viser. Au secours. Achetez-moi du skill, s'il vous plaît. Putain, ça explose vraiment plus vite, c'est vraiment bizarre. Putain, j'arrive plus à tirer! Aidez-moi! Aidez-moi! J'arrive plus à tirer! C'est une petite catastrophe, catastrophe. J'ai utilisé tout mon skill sur la manche précédente. Là, maintenant, c'est une catastrophe. Ouais, c'est pas bien. Tu dégages, toi, t'es moche. Pas beau, le vieux, là. Non, il est cool, normal. Il est mignon comme personnage. C'est un elfe. Il a les oreilles d'elfe. Je sais pas quel lore ils ont voulu utiliser, mais je pense qu'ils ont voulu utiliser le lore, tout ce qu'ils pouvaient, quoi. Allez, on lui refait le coup. Alors, on lui refait le coup. J'arrive, laissez-moi. Oh, j'arrive pas à tirer. Ah, c'est vraiment pas, hein. C'est... Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas le but, hein. Le but de tank, c'est de faire peur. Bon, on arrive assez bien, un peu. Et victory. Bon, mais ils ont un peu laissé tomber, je crois. Ah, c'est bien passé. C'est bien passé. On a le move de la game carrément. Je crois que je m'achète un skin Garrick. Ça fait un peu pauvre là. Bon, je suis pauvre en même temps. Mais c'est le rect. Ouais, ça va se demander s'il n'y avait pas un AFK en face. Hein. Voilà, on a croisé déjà 4 joueurs. Bon, je crois qu'ils ont un peu abandonné. Ils ont un peu abandonné sur la fin. On fait combien de dégâts? 39 000. Ouais, Drogoz a fait plus de dégâts que moi. Mais on n'est pas mort, comme la Ying, GG. GG, well play. Et bah le petit nain pour sécuriser les kills, c'était pas mal. Parce qu'on a pas fait... Bon, on a fait quand même relativement mal, mais à la fin, j'arrivais plus à toucher du tout. On arrivait quand même à sécuriser les kills. Donc game rapide, simple et efficace avec Barrick, ça s'est bien passé. J'ai pas trop expliqué ce que je faisais, mais j'ai essayé de dire voilà qu'il faut focus. Et il faut toujours avoir, essayer de se dire qu'est-ce qu'il faut que je focus là. Est-ce que ça vaut le coup que je tape un Thorvald ou plutôt que je tape le Rukus? Thorvald va faire de la tankiness peut-être plus que Rukus, mais Rukus il va vraiment faire plus mal. Donc j'ai préféré focus. Bon, le Rukus il a fait, on le voit beaucoup plus mal, mais normalement ça fait beaucoup plus mal. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On se retrouve plus tard. Ciao!